On est donc en direct du Salon du Livre Libertaire à Paris. C'est vraiment chouette que TV Debout soit là pour faire cette émission. Et donc aujourd'hui, on a Burst qui est là et qui est des États-Unis. Et c'est un camarade anarchiste que j'ai rencontré par ailleurs à Berlin dans des rencontres de radio anarchistes. Et il passait là pendant le week-end du Salon du Livre Libertaire. Donc on profite un tout petit peu pour lui demander ce qu'il en pense et aussi ce que lui fait dans sa ville en tant que militant. So hi Burst, so we take the opportunity that you're traveling and being in Paris right this weekend, it's great, and you're going to move to Athens after. So first, what do you think, what is your feeling about this book fair in Paris? I think the book fair was stupendous. I appreciate the films being projected, the debates, all of the people tabling books that I can't read, but they looked very interesting by the titles. Donc il a vraiment apprécié le salon du livre, les projections, les débats, tous les éditeurs et les livres, même si l'énorme majorité sont en français, il ne peut pas les lire, mais il comprenait les titres et les idées. Et voilà. So, tell us, you told me that you're organizing also a book fair in Asheville, mm-hmm. It's in North Carolina. And could you tell us more about it? And it's your first time, so I think it's exciting. And perhaps shortly, which other book fair inspired you? Donc je lui demande, vous allez organiser un salon du livre, tu m'en as parlé, c'est votre premier salon du livre, ça doit être vraiment un peu excitant et tout ça. Donc comment vous allez faire et qu'est-ce qui vous a inspiré comme autre salon? A bit inspired by the Montreal Anarchist Book Fair and by the Bay Area Books Fair, as well as by this experience. Yeah, it's going to be the first in Asheville. It's a big thing for anarchists in the southeast region of the United States, which are very dispersed and very small population. It'll have, I think, about 40 hours worth of workshops and discussions, including presentations by authors like Sean McFessel and Ward Churchill, as well as tons of books and free information for whoever happens to come in off the street. Voilà, donc c'est vraiment très bien pour eux parce que en fait ça va être un événement important en Amérique sud-est et ils ont été inspirés par le salon du livre de Montréal et aussi par Barrier, une autre ville où il y avait déjà un salon du livre. Donc c'est 40 hours. Donc ça va être environ 40 heures de débats, de présentation de livres, de projections. Donc ça va être très riche et voilà. And can you tell us which other events you're attending in Europe soon? Sure. So, well, if anyone wants information about the Asheville Book Fair, you can check out ACAB 2017 at .noblogs.org. Donc, vous pouvez vérifier les informations concernant le Salon du Livre sur ACAB, donc AACAB. ACAB 2017. 2017. .noblogs. 27e ou 27. You can search it on the internet. Ah non, 2017, pardon, sorry. So, vous pouvez vérifier sur acab2017.noblogs.org. Voilà. Donc là, vous aurez toutes les infos du salon du livre et voilà. And next, we'll be going to Athens for the International Anarchists Radio Gathering. It's the third annual, and it'll be hosting people from Radio Libertaire, as well as from our project, The Final Straw in the United States, people from Chile and from Latin America, as well as all over Europe. Voilà, et donc là, il était de passage, mais il va à la rencontre des annuelles des radios anarchistes qui va se dérouler à Athènes. C'est la troisième fois que ça se réalise. Avant, c'était à Berlin l'année dernière, et il y a deux ans, c'était à Ljubljana. Et donc, il y aura aussi des camarades de Radio Libertaire, des radios des États-Unis, de son show, Last Straw. Il y aura aussi des personnes du Chili, d'Amérique latine et d'autres pays d'Europe où il y a des projets, soit des émissions de radio, soit carrément des radios entières. Voilà, bah, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Thank you, Burst. Thank you so much, John. Yeah.